Salut tout le monde, bienvenue avec Asdin. Salam alaikum, marhaba bikoum Asdin. Nous avons une histoire jadida ou qissa jadida, une nouvelle histoire, une nouvelle recette. On va encore voyager dans le passé. Aujourd'hui, on a des pauvres farcis aux viandes hachées et du riz qui n'a pas mangé ça quand il était petit. Nous avons une flamme en marabe qui est rose. Je connais mes clés, je suis un frère. Je ne sais pas vous rater quelque chose de très 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 lourd dans votre vie. Je vais vous dire que je suis un peu plus de Franchement, vous avez. عدم ديال صورنا مع لا فامي والدين ديالنا كانوا كيطيبوا لينا فرانسمون سي روسي تري تري مانيفيك اي بور سا جي مونتري سا اونسوم لا كو فوالا بافون فارسي ستي كاشي اري سا اونسوم لا سا سا يا سا سي اون روسيت تري فاسيل اي ايكونوميك اي رابيد ا فير سي لو بلوز امبورطون سي لي ريغل دو مي فيديو ان سو مومون لا Et surtout, revenir au passé parce que c'est là où on mangeait bien, riche, vitamines, protéines. Franchement, il n'y a pas de photo. On va commencer la dégustation, bien sûr. Je vais pas dire que c'est bon, mais je vis une époque, je vis mon enfance, c'est ça le plus important pour moi. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, c'est très bon d'ailleurs, mais c'est l'enfance qui m'intéresse. Voilà, j'espère que cette recette ça vous a plu. Suivez-moi pour connaître la suite et la recette. Merci. Salut tout le monde, bienvenue avec Asdin. Nouvelle recette, nouvelle histoire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasfa jadida ou qissa jadida. Ndouf le maqadir. Adna 4 dial filflat kima katchoufou tqdrou takhdou ghir adiyin loun wahed. Ana khdit 4 dial alwan mokhtalfin hit kijiou zwinin. Jouj matrichat, bsla, ras dial tchouma, 300 gram dial kfta, chwiya tqzebr ou maadnous, wahed lbayda, lbzar, tchmira. خلقهم البلدي الكمون الملحة شوية الحار زيت الزيتون والزيت العادية وغنحتاجو واحد 50 غرام ديال الرز بالنسبة للطياب ديال الرز ديالنا كنسخنو الما كنديرو ليه نص طايبة افون دكومونسي جو فو دير ان تي بو لي زانغيديون اون فوا افواغ بيزوان دو كات فوفرون ديفيرون دو كولور كسافي جولي On sait bien que les légumes farcis, on peut utiliser des courgettes, on peut utiliser des oignons, des tomates, on fait ce que vous voulez. Là, je pars sur juste des poivrons, quatre couleurs, ça fait joli. On va avoir besoin de deux tomates, un oignon, un gousse d'ail, 300 g de steak haché, un peu de persil et coriandre, un œuf, 50 g de riz. De préférence, vous prenez du riz long, c'est parfait pour la recette. Un peu de poivre, paprika, du curcuma. Du cumin, espelette ou piment, si vous voulez un peu de piment, et un peu de sel, huile d'olive normale et huile d'olive. Voilà, désolé. On va faire une demi-cuisson pour notre riz avant. On a mis l'eau à chauffer pour gagner un peu de temps. Voilà. On va le cuire pendant 5 à 6 minutes facilement. Il faut toujours remuer un petit peu soit les riz, soit les pâtes, comme ça, ça n'accroche pas au fond. On va commencer notre préparation. On va utiliser un peu d'huile d'olive. Voilà, on va couper nos oignons. En fait, là, je vais faire une petite sauce tomate. Il y en a qui ne fait pas ça. En fait, j'aime pas que ça soit sec. Il y en a qui mettent les légumes au four et c'est réglé. Moi, j'ai bien une petite sauce tomate, comme ça, on peut mélanger avec le thierry qui va accompagner nos poivrons. Malheureusement, on a des petites sauces tomates. Je vais faire une petite sauce tomate. Je vais faire une petite sauce tomate.
كل كيدير غير لا بريباراسيون كيدير الفلفله وكيعمرها وكيديرها في الفران صافي ما كيدير حتى شي حاجه اخرى فوالا دابا كوكي لي زونيون On va juste les couper grossièrement comme ça pour avoir une petite sauce tomate un petit peu fraîche. À cela, vous pouvez rajouter une grande cuillère de tomates concentrées. Juste rajouter la tomate concassée qu'on achète dans la boîte. Une petite boîte, ça fait cette taille-là. Je vais rajouter. Je vais laisser remuer un petit peu, le temps que ça soit un petit peu fondu, le temps d'arriver après. Et je reviens vers vous. A tout de suite. Voilà la tomate-là. Le riz, elle est déjà prêt du mécuissant. Là, on va rajouter notre ail. Une autre tomate au même temps. On va laisser réduire un petit peu. Voilà. L'ail. J'ai rajouté presque 200 g de tomates concassées qu'on a fait dans les boîtes. Il faut que j'ai plus de sauce pour ma préparation. On va mettre un peu de sel, une demi petite cuillère à café du sel, quelques cuillères à café du poivre, un peu de paprika, on mélange. Si vous avez un peu de feuilles de laurier, bien sûr, vous pouvez le mettre un peu de temps si vous voulez plus de goût. Ça, c'est juste un petit plus. Et pour que votre sauce soit réussie, quand c'est comme ça, vous rajoutez juste un petit trait d'huile d'olive. C'est merveilleux, après. Voilà. On va laisser cuire gentiment. À ce moment-là, on va préparer notre farce. On va commencer avec nos poivrons. On va les assaisonner. Une grande cuillère, une cuillère à café pour le sel, du poivre, c'est un petit peu, un peu de curcuma, c'est un petit plus. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu bien épicé, mais c'était caché. Un peu de cumin si vous en avez, c'est toujours bon. Et du paprika. Je dois mettre un peu de persil et de la coriandre, un petit peu la moitié, juste un petit peu. Un peu de persil et coriandre, comme à l'heure. درنا الملحه البزار الكمون شويه ديال خرقوم البلدي وشويه ديال التحميره التحميره غير ديروها سي با غراف يعني راه كتعطي واحد اللذه ديروا اون بون كويير كتعطي لا كولور لا فيون ديالكم فوالا لا بريباراسيون واجده دابا غنخلطوها ونرجع لكم دابا كنحرك دابا المقادير ديالي يعني الربيع القزبر المعدنوس الملحه التحميره comme je vous le dis, comme vous pouvez constater, j'ai fait mes épices, c'est poivre, curcuma, cumin, le kachbrilhar, si vous aimez bien l'épice, un peu épicé, on va juste un petit peu de piment d'Espelette,
juste pour donner un peu un petit goût relevé. C'est pas piquant, mais c'est juste relevé. On rajoute l'œuf. En fait, l'œuf, il permet d'avoir une boule de steak haché en fait qui est bien compacte, qui se déchire pas. Il que malheureusement, quand ils ont devenu un peu d'achat, voyez des nœuds d'achat. Ils ont pas voyez, parce que quand tu mets faire tête, tu prends du moins un peu comme une boule, tu sais, parce que mettre chien. هاد الوحده هادي كنزيدو الرز ديالنا اللي هو طاب شوف فوالا لي مي كويسون كنزيدو الخليط ديالنا كنخلطو مزيان يعني نتوما اللي بغيتو تديرو الرز بالزايد كفته بزاف بغيتو تديرو غير كفته ديروها الرز كتجي زوينه كتجي بيان كارني يعني أكلة كاملة فيها الروز فيها كلشي يعني مفيهاش شي حاجة أخرى تزيدا معاه جو غيست سوغ لو فيت كون فو راجوتي دو ري اون فيت فوزافي اون روبا كومبليت اكزاكتومون اون فيت يا دو ري يا دو ليغوم يا دو فيوند هاشي فوزافي با بيزوان دو دان تروك اكوتي اي سي ان تروك كو اون ا مانجي كون اتي بيتي سا سا سفي بلو مانتنون سي رارمون كون تروف سا دون لو ريستوران سوا دي توماط فارسي افيك دو لا شير دو سوسي سوا مي les légumes farcis à cette manière là c'est rarement donc les légumes proches qui doivent être bizarres qui malheureusement ils n'ont pas le style maintenant le matin il que ce soit au Maghreb ou à l'extérieur يعني ou alors qu'ils s'aiment leur le kefta بوحدها ou qu'ils doivent la tomate qu'ils doivent la chair de saucisse quand tu ramènes les légumes très sages tu les fais chouette rapidement on a dit qu'il n'y a qu'un seul parce qu'on a soif qu'il n'y a pas qu'il y ait des vacuoles parce qu'il y a des bizarres la sauce de tomate tablier pour jalico à tout de suite. Voilà, avant de farcir nos poivrons, je pose juste un petit détail. Chaque fois que vous faites une petite sauce tomate avec des tomates fraîches, toujours remettre une petite cuillère de sucre, ça retire l'acidité des tomates. Dès que vous faites une sauce tomate dans le confortable, vous pouvez mettre des sucres, 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 نوجدهم باش يطيبوا من بعد. الطريقه ديال القيام ديالهم سهله كما غتشوفوا معايا يعني فران يعني داك اللي كيبقى بنادم الكوزينه وكيبقى واقف وكيضيع الوقت ديالو يعني هادشي هذا خصنا نحيدو يعني الانسان دابا فوق السرعه شويه خصو ياكل مزيان ويطيب مزيان ما يربح الوقت شويه يعني كنورثو الطريقه اللي تربحوا بها الوقت. كنديروا الصوصه ديالنا نخويوها نعمروها بالرز بهذه الطريقة هذه مزيان ونرجعوا للبلا ديالنا وكنكملوا بحدة بحدة حتى كنعمروا كاع الفلفلات ديالنا وغنوريكم الطريقة كيفاش غادي نطيبوها في الفران بحال هكا تماما. نرجع لكم ملي سالي التعمر ديالنا. Voilà, nos poivrons sont prêts, ils ont bien farci, comme vous pouvez constater. On a le fufle de la sauce tomate. On a la sauce tomate. Je sais que maintenant, on va faire un lit de sauce tomate. Que ce soit pas sec, nos poivrons après avec du riz. Et on va garder le reste pour la décoration, pour l'envoi. Vous n'avez qu'à mettre vos poivrons comme ça. On met juste l'huile d'olive dessus comme ça. On va les mettre au four à 180 degrés pendant 50 minutes. وغنديرهم في الفران 180 درجة لمدة 50 دقيقة 180 دغري بوندون 50 مينيت اي جو روفيان فيغ فو. رجع لكم من جديد من بعد 50 دقيقة كما كتلاحظوا معنا الفلفلة ديالنا طابت صاوبت واحد الكونفيتور ديال لاطوماط يعني هداك الشي اللي بقى ليا وليتو غير نشف من الماء وزدت عليه شويه ديال القزبر معدنوس
باش غير تجبد بيه البوافرون ملي نحطو في لاسيات كما كتلاحظوا معنا لو غوتور باغي بو ابري 50 مينوت دي كويسون نو بوافرون سو بريت كو ريغاردي اي سون بيان كويت اي سون تري جولي فوالا بو سكي مي ريستي دون لا صوص جي ليسي ريدوير ان تي بو Et j'ai remis juste de la coriandre et du persil. Et ça nous donne une petite confiture de tomate qu'on va mettre. On va du poivron pour la fixer. Voilà. On va commencer le dressage. Voilà, c'est tout simple. On va juste remettre un peu de balsamique. Voilà, notre plat magnifique. On est prêt. Poivron farci aux viandes hachées et riz. J'espère que cette recette ça vous a plu. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre balsamique. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Sur ça, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée et à la prochaine recette. Et merci beaucoup.